Salut. Hop, je suis là. Je suis là. Oh putain. Ah, oh, tu m'as fait peur. Enfin, pardon, non, tu m'as surpris. Ouais, je préfère. Ok. D'accord. Deux secondes. Jérémy. Jérémy, il y a un truc sur scène, là. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Enfin, il y a le mec de Fort Boyard qui s'est échappé, là. Non, non, mais c'est moi le comédien avec qui tu dois jouer le duo. C'est moi. Deux secondes. Ah. Jérémy, qu'est-ce que tu m'as fait, là? Attends, c'est pas sympa. Pourquoi tu l'as fait venir? Pour économiser un demi-repas? C'est pas sympa. C'est n'importe quoi. Alors, excuse-moi, j'ai rien contre toi, mais je m'attendais pas à ça. Enfin, je veux dire, le duo, ça va pas le faire, là. Non, ouais, te casse pas, moi aussi, je suis déçu. Hein. Ah bon? T'es déçu? Ben oui, on m'avait dit que j'allais faire un sketch avec un des inconnus. Alors, je pensais que ce serait avec Didier Bourdon, parce que c'est vraiment mon préféré des trois. Ok. Alors, au pire, ça aurait pu être Bernard Campan, mais bon, il doit être vachement pris avec tous ses tournages. Bien sûr. Ben ouais, parce que lui, au moins, il bosse. Bon, dis-moi, et toi, t'es venu comment? En karting ou avec tes parents? Ah non, je suis venu comme Joséphine, en claquant des doigts, comme ça. Ok. Ok. Et donc, toi, tu vas jouer comme ça ou t'enfiles un boubou? Non, j'ai joué comme ça, nature. Bon, on va peut-être repartir sur un bon pied, parce que ouais. On va arrêter de se chamailler. Ouais, c'est mieux. On démarre à zéro? Ouais. Ok. Bon, ben, bonsoir. Tu sais que tu peux me serrer la main normalement. Ah bon? On oui. peut, on ah peut. Bah oui, 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 on peut. On peut même se faire la bise, entre gens du métier, il paraît que ça se fait. Bah oui, entre gars du show business. Voilà. Bah, faut descendre, hein, parce que moi, je... Ouais, mais j'ai une sciatique, alors je vais descendre. Ah oui, mais ça, c'est ton problème. Ok. Ça, c'est, voilà. Allez. Voilà. Bon, pour moi, j'ai pas l'habitude. Hein. C'est la première fois que je fais un sketch avec un inconnu. Oui, ben moi aussi, hein, c'est la première fois que je fais un sketch avec un inconnu. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, mais tu peux te relever. Hein. Ah, pardon. Ouais. Bon, alors, avant de commencer l'impro, je voulais savoir si tu avais des sujets tabous. Si avec toi, on pouvait rire de tout. Ah, moi, j'ai aucun tabou, hein. Okay. Tant que c'est fait dans le respect. Ah, bah, y a pas de... Non, au contraire. Moi, dans le respect, je suis d'accord. Bon. Je te respecte. Très bien. J'éviterai de te traiter de nabo, de gnome, de hobbit, bien sûr. Oui, oui, oui. Bah, moi, c'est pareil, hein. J'éviterai de te traiter de bamboula, de bougnoul ou donc le Benz. Hein? Ouais, puis moi je te demanderai pas où sont passés les six autres. Ouais. Bah, puis moi j'éviterai de te jeter des bananes ou des cacahuètes. Ok, hein? Ok. Allez, on le démarre ce sketch. Allez, on le démarre ce sketch. Allez, c'est parti. Allez. Attends, excuse-moi, mais. Oui. Je t'observe, je te regarde, mais. Hmm. Tu ressembles à un acteur qui est un peu comme toi. Jus de l'eau? Non, pas jus de l'eau. Non, Sarkozy. Ah, ouais. Si, si. Non, il y a un petit air quand même, non? Oui. Pas avec la veste, là. Oui, bah oui, oui, je sais. Hein? Oui, oui. On me le dit souvent, d'ailleurs. Ah, hein, tu vois? Ouais. Tu vois? Allez. J'ai raison. Allez. Tu vois, j'ai le pif, tu vois. Bah écoutez, je suis bien content d'être ici. Je sais pas qui c'est qu'il faut que je dise merci pour être venu. Hein. En tout cas, je tiens à prévenir les personnes du premier rang. Non, ce n'est pas un effet d'optique. Je ne suis pas loin. Eh, hey, tu le fais vachement bien, hein? Oui, oui. Eh, hey, il est bon comédien, quand même, hein? Ouais. Pas mal. Ouais, 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 pas mal. Ouais. Pas mal. Très bien. T'es à la hauteur. Ouais, d'accord. OK. Dis-moi, tu... Enfin, je sais pas, tu bosses beaucoup? Je veux dire, tu fais beaucoup de casting? Ah, moi, oui. Moi, j'ai pas mal de boulot, hein. Bah, sur le dernier Harry Potter, j'ai même fait de la figure. De la figurine? Non, de la figuration.
Bon, allez, on y va. On commence le sketch. Ouais, allez, on y va. Alors, attends. Non, parce qu'avant de... Il y a encore un sujet qu'on n'a pas abordé. C'est le sexe. Oui, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que, d'ailleurs, physiquement, est-ce que... Enfin, je sais pas. On peut en parler. Est-ce que tu peux... Enfin, je sais pas. Quoi, tu veux savoir si je fais N'golo N'golo dans la case? Ah oui. Oui, oui. 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 Eh ben oui, bah, normalement, comme tout le monde, hein, je suis à l'aise dans toutes les positions. Il n'y a pas de... Tu fais toutes les positions. Mais qu'est-ce qui te fait marrer? Non, parce que je me demande, pour toi, un 69, c'est plutôt un 34,5, non? Ah, t'inquiète pas, à ce niveau-là, j'assure, hein, je fais pas dans la demi-mesure. Ah, d'accord. Ouais. D'ailleurs, je me pose une question. D'ailleurs, ouais. Je pense que tout le monde doit se poser la question. Je veux dire par là que physiquement, enfin, je veux dire, oui. Au niveau de la taille de ton... oui, non, je vais y arriver. Tu sais, il y a un point commun sur les noirs et les nains, enfin, de petite taille comme toi. Bon, tu veux savoir si j'ai une grosse bite? Oui. Je te montre. Allez, parce que c'est comme ça. Non mais, 2 secondes. Allez. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, je t'avais prévenu, hein. Ah ouais. Bah ouais. T'es au repos, là? Ah bah oui, repos, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ok, d'accord. Mais t'es pas gêné, je veux dire, tu passes partout? Ah bah... Ah oui. Mais sinon, toi, vas-y, fais voir le matos. Non, mais c'est bon, moi, c'est ah bon. Ah bah si, fais voir. Non, mais ah bah bon. Si, je l'ai fait, tu le fais. Ok, 2 secondes. Allez. Ok, ça va, ça va, attends. Allez, vas-y, déballe le truc. Tiens, voilà. Oh, dis donc, t'es pas si métisse que ça, en fait, hein. Pourquoi tu dis ça? Ah bah t'as vachement pris du côté blanc, hein, c'est... Non, mais il fait froid, la salle est mal chauffée... Ouais, voilà, d'accord, ouais, voilà, c'est ça. Bon, écoute, on se fait ce sketch? Oui, bah oui, je suis bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on préfère, par exemple? Bon, on y va. Alors, on préfère un speed dating dans un bar. Très bien, très bonne idée. Ça te va? Oui. Ok, comme ça, c'est une rencontre... Ouais, ouais, mais très bien, mais il faut donc, des donc, speed dating dans un bar, il nous faut 2 tabourets de bar, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez 2 tabourets... Ouais, super, bravo. Ok, merci monsieur. Très bien. Alors, bah, moi je suis là. Ça pose. Et l'autre, il est là. Ouais. Voilà. Ça c'est bien, ça pose allez, la situation. C'est parti. Alors... Speed dating dans un tabouret de bar, improvisation. Alors, est-ce que tu. Ouais, deux secondes. Ouais, parce que là c'est un peu forcément. Alors, ça fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas. Voilà. C'est. Voilà. Ah, merci. Merci Pascal. Non, parce que je. J'ai une sciatique, c'est pour ça, faut que je... Ouais, c'est pas facile d'avoir un handicap, oui, évidemment. Allez. Bon, tu peux m'aider? Bah bien sûr, je peux t'aider. Attends, voilà. Entre artistes, on va s'aider. Allez. Allez, attention. Allez. Oh putain. Eh, t'es lourd. Oui, oui, pas autant que toi, mais ouais, ouais. Non, mais si t'avais une poignée dans le dos, ça serait plus facile, je veux dire... Bah oui, putain, marrant, toi. Bon, là, on fait speed dating. Alors, ok, on a la situation, qui fait la fille? Bah on tire la courte paille. Alors, Non, attends, j'ai une autre idée de sketch. Ouais, vas-y. Écoute, on va écrire un sketch, on va jouer un sketch sur qui prône la tolérance. Ouais, hein, ouais. En partant de ta différence. Pourquoi ma différence? Ah bah parce que t'es différent. Moi, je suis différent, moi. Bah t'es différent. Parce que moi, je suis né à Paris, je suis français, je suis pas différent. Oui, mais tu es différent, tu es différent. Mais pourquoi tu prends un accent? J'ai pas d'accent, je suis français, je te dis, j'ai pas d'accent, moi. Ah, t'as un petit accent, il y a un petit fond sonore quand même. Mais hein, tu sens que j'ai un petit fond sonore, regarde, j'articule, je suis français, il y a pas de problème. Oui, mais les gens te le disent pas parce qu'ils osent pas. Mais si, il y a un petit truc quand même. Non, non, donc il y a pas que ça. Quoi, il y a quoi, quoi? Bah, l'odeur. Quelle odeur? Oh, le cliché. Non, mais c'est cliché, ça fait gaffe. Hein, tu... Et t'es tout seul dans ta loge, il y a une raison, hein. Ok. Puis, moi, je suis bien placé. Hein, Ouais. Non, mais rebaisse. Attends, excuse-moi. Toi, tu es différent. Ah non, toi, tu es plus différent. Non, toi, bah, justement, toi, t'es moins différent. Ah bah, tu vois, je suis moins différent. Bah, tu vois, tu le dis toi-même. Non, ça va, c'est bon, laisse tomber. Bah oui. Bon, écoute, ça tourne, là, on va y aller, on va jouer quand même. Alors, non, mais moi, je suis prêt, moi, allez, c'est bon. On se fait un speed dating la tolérance dans un bar gay. C'est bon, ça? Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Un nain. Noir, homosexuel. Ah, c'est plus un sketch, hein, c'est un hardcore. Bon, écoute, alors, on va monter la barre plus haut. Speed dating israélo-palestinien. Oui, très, très bien. Voilà. C'est tendance. C'est bon, c'est tendance, ouais.
Allez, on y va. Alors, qui fait le juif? Pas moi. Non. Bon, écoute, on laisse tomber, on va pas y arriver, je suis désolé. Oui. Bon, écoute, allez, je te paye un verre. Ouais, si tu m'invites, pas de problème. Je te paye un demi. Non, non, je préférerais un petit noir. Ah. Hey.